Et salut à tous, c'est Juju, j'espère que vous allez bien, si ça ne va pas, ne vous inquiétez pas, ça finira par aller mieux. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur Age of History 2, avec la Seconde Guerre mondiale, qui même si elle est finie depuis longtemps, continue. Alors, normalement pour la Russie, bon bah on doit faire quoi pour la Russie? On était en train de se préparer, non, on était en train de se repositionner suite à la guerre avec la Turquie, mais il n'y avait pas plus de problèmes que ça. Là, on n'allait pas intervenir. Donc, je pense qu'en fait, la Russie, elle va prendre la Turquie. Elle va peut-être prendre un bout de la Yougoslavie, peut-être ce coin-ci. Mais ce sera tout, en fait. Pour l'URSS, c'est bientôt la fin de partie. Peut-être réintégrer l'Afghanistan. Pour ça, il faudrait qu'il m'aime bien. Donc, voilà. Donc là, on va pouvoir... affichage, bâtiment... pouvoir continuer notre petit chemin de d'atelier. Voilà. Et avec ça, normalement, on peut aussi faire, dans ce coin-ci, une ferme. Voilà. Tour suivant, la Chine. Alors la Chine, normalement, si tout va bien. Voilà. Ah bah ça crache. Non, c'est bon. J'ai décidé que je pourrais former la Chine communiste. Une fois que j'aurai unifié tout ça. Donc ça va, c'est faisable. Hop, ici on va faire recruter. Alors la France, normalement, si ça... Ben non, ça s'est pas bien passé parce que j'avais pas cette nation formable. J'avais décidé de mettre... créer l'Empire franc qui était à peu près ça sur les frontières. Toute l'Italie sauf la Sicile et l'Aragon, mais ça passe pas, c'est pas grave. On m'a également proposé l'Union des Républiques Socialistes Françaises. J'aurais pu penser à autre chose, Union des Républiques Socialistes Franques ou Européennes, un truc comme ça aurait pu passer. Donc je verrai s'il y a moyen de faire passer. Je suis pas sûr qu'on pourra, mais si j'arrive à le créer, j'essaierai de le faire par la suite. Et nous, là, on va se préparer à la guerre contre la Suisse. Ou contre la Grèce, je ne sais plus. Mais on a quelques nations à intégrer suite à notre action. Ah oui, on va déclarer en fait contre la Suisse, sauf que là les armées on les a déplacées avant que l'Autriche ne se rende. Ok, ensuite les Anglais. Les Anglais, il y a peut-être un souci au niveau de Jeddah. Ouais, quelques provinces mécontentes. Mais ensuite, on se positionne là. Ce qu'on va faire... que ça, on va fuir cet endroit, déplacer vers ici. Et on va le revendre à l'Iran. Commerce. Province. On n'en veut pas de ces deux provinces, sauvegarder. Mais tu me donnes 24 000 pièces d'or. S'occuper après du Portugal, quand le Portugal sera en guerre. Peut-être avec eux. Offrir une alliance, toujours pas. Avec je sais ce qu'il faudra faire. Avec l'Australie, même chose. Pourquoi? C'est à cause des alliés. Le seul allié qu'on ait, c'est les États-Unis. Donc, il faut que les États-Unis améliorent leur relation avec Ok, donc, en tant qu'Angleterre, nous, on va... Ah oui, c'est vrai. On était en train de déplacer des armées pour arriver dans ce coin-ci. On va se battre contre la Suède. Et donc, hop, ici, même chose. Bâtiment. Les Anglais, ils ont construit... plein de fermes, donc on va continuer à construire des fermes sur l'Irlande. Voilà. Ça fait un petit moment que j'ai... Enfin, ça fait un peu plus d'une semaine que j'ai pas touché. Ça fait... Il faut que je me remette dans le bain. De toute façon, même après une semaine, parfois, c'est compliqué. Alors ici, eux, ils ne m'aiment pas beaucoup. Donc c'est ce... Ah bah, ils ne veulent pas m'aimer non plus. Et eux, ils ne m'aiment pas du tout, mais on va améliorer les relations. Et même chose avec le Canada. Canada, il doit pas énormément m'aimer, mais on va améliorer les relations aussi. Pour les États-Unis, si j'ai réussi, voilà, j'ai la possibilité de former les États-Unis, les États réunis des Amériques. Donc en gros, je prends tout ça. Ça a demandé du travail, donc
On y est. Ici, c'est quoi? C'est fin de la trêve. Très bien. Hop. Alors, Mexique, avant de lui déclarer la guerre, on va lui faire une proposition, un ultimatum. Tu me donnes tout. Ah, là, il y aura un problème. Il faudra que je modifie. C'est parce que j'ai pas pensé à cet endroit-là pour les Anglais. Ou alors les Anglais me le vendent, mais je pense que les Anglais voudront pas. Pour les îles, vous verrez, vous allez voir, j'ai fait attention, tu vois, j'ai pris juste ces deux îles-là. Par contre, pour ce coin-là, il va falloir que j'aille le retirer dans l'éditeur, parce que j'ai pas... Ou bien je déclare la guerre aux Anglais, mais ce serait con. Non. Hop, ici, affichage, bâtiment. Plus un atelier. Un second atelier. Et un troisième atelier. Dans le même coin. Hop. Ainsi, on booste ce coin-là. Alors, URSS, bah, ils vont pas faire grand-chose, hein, comme j'ai dit. En guerre avec la Turquie, je pense qu'on est en trêve. Si, je pourrais déclarer la guerre ici. Mais est-ce que je veux vraiment aller déclarer la guerre maintenant à eux? Pas vraiment. Je le ferai, mais quand la France... Ah, quoique, si je mets la France en position, la France, elle a besoin de ces deux-ci. C'est une possibilité. Donc, on va pouvoir se mettre en position et voir ce qu'on en fait. Si ça se trouve, on va créer, en fait, un vassal ici. On va réunir. Ou alors, la Grèce. La Grèce, tu m'aimes comment? Est-ce que t'accepterais... Ah, tu veux pas d'ultimatum. Est-ce que t'accepterais une vassalisation? Alors, ici, la Chine communiste, elle va s'occuper d'annexer... ce qu'il reste du Tibet. La France. Ah, il y a encore quelques provinces mécontentes, hein. Ouais. Là, c'est 64. 64, ça passe. Hop. Donc, on va se mettre en guerre contre eux pour prendre juste ce territoire-là. Ouais, il me semble que c'est bon. Les Anglais. Proposition rejetée, tant pis, hein. On la revendra à d'autres. Ça c'est good, oui. Ils ne m'aiment pas, je suppose, l'Iran. J'ai amélioré mes relations avec eux. Hop. Là-bas, on en a encore pour quelques tours, donc... Construire des fermes, hein, on n'a pas le choix. Enfin, on a le choix, mais je préfère construire des fermes. Ici, les États-Unis, ils ont refusé notre ultimatum. Tac, toi tu vas aller ici. Toi ici, déplacé. Ouais, c'est très bien, ça, c'est, l'objectif, c'est de, comment dire, c'est de leur semer le chaos, donc, ouais, ça me paraît bien. Et toi, tu vas te déplacer jusqu'à ici. Objectif, chaos. Tac. Ici, tu peux aller là, ce qui permet à toi d'avancer là-dessus. Si... Non, là, on va pas bouger pour le moment, on va attendre. Bon, l'objectif KO n'a pas réussi, on a eu l'objectif diminution des effectifs, donc... Ah, la Grèce a refusé. Déplacer là. Déplacer ici plutôt. Ah bon, on se positionne vers la Grèce, hein. Non, là on va rester là-dessus. Pourquoi? Parce qu'on a une toute petite porte d'entrée. Ici. On va toi te déplacer. Ah ben non, je suis pas français, ok. La Chine, bon bah maintenant elle a ça à faire. Voilà, et ensuite... Tac, déplacer ici.
Et déplacer là-dessus. On va commencer par attaquer le Bhoutan, hein. Il y a deux provinces, donc ça devrait le faire. La France, donc. Toi, tu vas venir te mettre ici. Et toi, tu reviendras plus tard. Tac, ici, c'est très bien. Alors, technologie. Technologie, on va augmenter la recherche. Et ici. Non, ça va, là, c'est bon. Les Anglais, quelques provinces encore, même chose, même souci comme d'hab. Ici, normalement, là. Ici, elle est où? Elle est encore très loin, hein, vous voyez. Elle va seulement passer le détroit de Gibraltar. Pour dire le bordel que ça va être. Ici, c'est anglais, très bien, c'est vrai. Ça, c'est anglais. Le Danemark, on est en trêve avec eux. Suède, on va tenter un ultimatum. C'est que je vais te demander tes provinces, et je vais te demander le sud plus le Gotland. C'est pas beaucoup. Et à côté, je vais venir vérifier pour construire les dernières fermes d'Irlande. Ah ben, je peux pas construire de ferme, par contre, je peux venir construire l'atelier ici, on l'a, on peut construire un nouvel atelier près de Londres. Alors, les États-Unis ici. Là, on n'a pas beaucoup de choix pour le moment. Là, par contre, on a énormément de choix. Tac. Et là, on a trop de choix, donc on ne bouge pas. Et on va également venir lever du San Salvador 4000 troupes qui vont avoir pour objectif notre projet KO. Ouch. Ou projet reprotéger les provinces, mais. Toi ici, tu m'aimes bien, Albanie? Tu me détestes. Okay, Grèce, tu ne m'aimes pas. Turquie, on est en trêve. On va aussi préparer un plan KO pour la Turquie. La Chine. Hop. Alors la France, ça va. L'Angleterre. La Suède a refusé l'ultimatum. On attend. Ça appartient à la France, ça appartient à nous, Thaïlande. Hein, on pourrait s'intéresser les Indes orientales néerlandaises. Est-ce que tu accepterais de rejoindre l'Alliance, peut-être? Non, parce que tu ne m'aimes pas de base. Donc je vais améliorer mes relations. Alors ici, l'Afrique du Sud. Ah, toi t'acceptes, nickel. Et l'Australie, tu n'acceptes pas encore. Donc on va checker ça après. Les États-Unis, juste avant. On va regarder Canada. On va continuer d'améliorer les relations. Australie, on va réaméliorer les relations. Et avec eux, on va améliorer les relations aussi. Donc là, je pense que je vais. Écourter le plan KO. Quoique, ouah, ça me paraît short, hein. Là, il y a quand même 4000 personnes, donc on fait. Attaque double. Hop, et ici on va recruter quelques semblants d'armée, histoire de dire de protéger l'arrière. Est-ce que là on peut recruter 86 hommes, ça va pas le faire. Ouf, mais ça sert à rien. Ah si.
Alors, autour de l'URSS. L'URSS, c'est très stable. Ici, la Turquie, on est à combien? C'est en février 42, donc c'est dans pas longtemps. On va déplacer ça ici. Et toi, au sud. Autour de la Chine, eux, sont en position. On a encore Lhasa, donc la capitale du Tibet à gérer. Et ce qu'on peut dire, c'est le Bhoutan. Envoyer un ultimatum, tu me donnes tes deux provinces, sauvegarder, ou je t'envahis. Alors ici, la France, on peut essayer de gérer la Suisse. On peut dire Suisse. Je veux tes provinces, donc je t'insulte. Tu n'es qu'un vendeur de montres. Voilà. Hop, et je vais... Tac, tac, tac. Ou je t'envahis, c'est simple. Si l'Australie offrirait l'alliance, ils ont refusé. Eux ont accepté. Ici, tu me détestes cordialement, donc je vais améliorer mes relations. Et ben, c'est toujours en attente, hein. Donc on va... Oh, ce qu'on pourrait faire, c'est recruter des armées. Armée de 5000, par exemple. On viendra pour plus tard la déplacer. Et ici, on peut recruter quelques renforts. Ah, les États-Unis ici. Tac. Ici, ça tu peux faire. Là, tu peux venir en renfort. Toi, tu peux tenter un contre. Toi ici, essaie de passer là-dessus. Tout ce que tu vas faire avec lui, en fait. Hop, ici. Alors, autour de l'URSS, les États-Unis, c'est un peu le bordel, mais ça l'a toujours été, donc dire que ça passe. Alors ici, URSS, affichage, bâtiment. On va agrandir le couloir des ateliers. Ils ont refusé. Ouhou, on va mettre 100 troupes. La France, la Suisse a refusé. Alors, tac. Ça devrait être bon. Bon, bah la Suisse va être intégrée de force. Voilà. Alors autour des Anglais, bah les Anglais c'est toujours en attente. Donc ici on va commencer à recruter ceci. Là on va pouvoir déplacer ceci pour attendre dans le couloir. Ils débarqueront là et ils auront pour objectif peut-être de grimper vers le nord ou quelque chose comme ça. Ceux-là on les enverra peut-être dans le nord pour établir la frontière, etc. etc. Alors les États-Unis. Ah, pour recruter. On n'a pas grand-chose à recruter là derrière, mais... Ah, si, quand même. Tac. Si. Toi, tu vas aller avec lui. Et là, tu n'as qu'une possibilité, c'est parfait. Ici, une seule possibilité. Hop, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va recruter. Il n'y a pas grand-chose à recruter là-haut, hein. Si, sans troupes, c'est une idée. Revoir la Suisse.
Oui, bien évidemment, c'est bien ce que je crains, c'est que les Mexicains, ils s'amusent avec des micro-armées à retomber sur nos arrières. Alors, URSS, on est à 20 minutes, donc ça passe, on est bien. La France est en guerre contre la Suisse, on s'en moque. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va menacer la Yougoslavie. Non, on va menacer, on va insulter la Grèce. Et on va la menacer. Menacer, envoyer un ultimatum, tu deviens mon vassal et tu libères l'Italie. La Chine, bon bah elle peut mettre fin à sa guerre. Tac. Et elle va pouvoir gérer deux autres provinces. Tour de la France. La France, il lui reste plus qu'à finir la Suisse. Et la France, elle va attendre. Ah, les Anglais, ils vont se préparer. Ils vont envoyer cette toute petite armée là-haut. Hop, et les... Ah, bien, non, là, ça c'est 5000. Moi, ce que j'attends, c'est ceux-ci. Mais ceux-ci qui se rapprochent. Qu'ils arrivent au niveau de l'Islande. Donc c'est parfait. États-Unis. Tac. Ici, tu vas avancer, ce qui va permettre à toi d'avancer là-dessus. Ici, tu vas pouvoir avancer là-dessus. Tac. C'est la fin du Mexique, hein, on peut se le dire. Hop. Ah, dans 2 tours, on est à nouveau en guerre contre la Turquie. Donc on va déjà insulter les Turcs. Tac. Ah, j'ai bien vu que la Grèce avait été devenue vassale. Donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que la Grèce, on lui donnera... Ça, non, en fait, on va la laisser dans cet état-là et on va la grossir là-dessus. Ça, tant pis. Ah, quoi... Pff, non, on peut laisser tomber. Et on va donner presque tout ça à la Grèce. Faudra améliorer les relations, mais voilà. Alors, ici, Chine, ben, c'est fini. Donc, maintenant, tu peux intégrer cela, déplacer. Prochaine étape, le Népal. 14e et ceux-ci sont 11e. Ils sont toujours plus forts que nous. Japon, il est 6e. Donc c'est le Japon, en fait, si on l'attaque, on va en chier. Mais le Japon possède Taïwan, toutes les îles. Taïwan, il me le faut. Il me faut toute la Corée pour avoir tout ça. Ça, je vais le donner à l'URSS. Donc ouais. Après, le Japon, on pourra en faire aussi un petit état tampon, quoi. Hop. Oui. Sauvegarder. L'Italie, normalement, elle est indépendante à nouveau. Envoyer un ultimatum. Tes provinces, tu en as deux. Sauvegarder. Voilà. Et prochaine étape, ce sera contre eux. Eux me détestent. Donc je vais aussi envoyer un ultimatum. Tes provinces, tu vas me donner tout. Tout ça. Plus, parce que je sais que tu l'as. Ça ici. Ça c'est Belgique, ça c'est Portugal, donc on s'en fout. Hop, sauvegarder. Est-ce que le Portugal... Oui, le Portugal est en train d'attaquer la Belgique. C'est pas grave, ça me facilitera le travail. Les Anglais, les Anglais, les Anglais. Les Anglais, ils vont faire quoi? Les Anglais, ils sont toujours en attente, hein. Elle va arriver au nord de l'Angleterre au prochain tour, donc ça va, les armées se déploient petit à petit. Hop, j'ai recruté 5000 hommes à Londres que j'ai envoyé aussi dans le nord. Ici. Tac. Toi, il te reste plus que celui-ci à attaquer. Tac, là, on va diviser en deux parce que je sens que je peux le faire.
Ici, on va attendre. Alors, on va augmenter la recherche. Et on va payer les provinces que l'on doit payer. Oui, il reste rien en Mexique, ils sont morts. Alors ici, pas encore, mais ça se rapproche. Alors vous, vous m'aimez bien? Non, vous me détestez. C'est pas grave. Former une union? Non. Non, moi ce que je veux, c'est laisser le sud ici, par là. À la limite, ce que je pourrais même faire, c'est en fait agrandir la Grèce en donnant l'ouest de la Turquie, en fait. Ce sera plus tard, hein, mais éventuellement donner la partie ici, ça, non, pas, genre ça, et cette partie-là de la Turquie, Et là, je garderai l'est, l'est plus pour moi. Ou alors je garde ceci parce que je garde Istanbul parce que voilà, ça me permet d'avoir le contrôle du Bosphore. Mais bon, alors je garde les trois là et je donne. Tant qu'on y est, autant réagrandir la Grèce. Là, elle me déteste. Pour combien de temps j'ai une insulte de la Grèce? Sciences sont suspendues jusqu'en février 43. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que je vais t'offrir une alliance. Tu veux pas? Je vais te faire du commerce. Pièces d'or, je vais t'envoyer 7000 pièces d'or dans un pack de non-agression. La Chine, bon bah, ils paient, hein, maintenant. Hop, ensuite la France. Ils ont refusé notre ultimatum. L'Italie a accepté notre ultimatum, c'est-à-dire qu'on a quelques provinces à payer. Là, c'est 65%, on va accepter. Lugano, voilà. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à déplacer tout ceci sur la même province, ce qui va permettre ensuite de mieux répartir en fait les armées à partir de là. Je vais aussi dégager celle qui est à Rome. Elle ne sert absolument à rien maintenant. Normalement, c'est bon. Tac, tac et tac. Hop, ici l'Argentine, on s'en fout. Ça, on s'en fout. Très bien. Alors ça, c'est au Portugal, oui. Mais vu que je vais me battre contre le Portugal, il va me falloir des armées positionnées le long des frontières belgo-portugaises là, parce que le Portugal risque de bien s'étendre. Donc, tac. Ici, on va pouvoir mettre ceci là et le reste ici. Et on a aussi cette province qui est portugaise, donc là on va attendre, mais on viendra, il faudra absolument protéger. Ici c'est protégé, là ça va être protégé. Ici, les Anglais, est-ce qu'il y a des provinces? Ah oui, il y a Tépi qui s'ennuie, et le reste ça va. Ce que j'ai mis ici, comme j'ai dit, je vais le déplacer là, dans le nord. Alors ici, je vais construire un port. Ainsi, je vais pouvoir recruter des armées et faire des invasions comme ça. Ici. Tac, toi tu peux aller là-dessus. Voilà, ici, on va commencer à rassembler. Toi, tu vas te déplacer pour venir te mettre là-bas. Parce que ce sera nos prochaines actions, on va se diriger vers... Ah, on se dirigera peut-être vers Cuba d'abord. Donc oui, mais on peut lancer une armée qui va servir à rassembler tout le monde dans le même coin. Tiens, toi tu vas foncer ici. Cuba, tu m'aimes comment? Tu me détestes, je t'envoie un ultimatum, tu me donnes une province... Non, donne-moi toutes tes provinces. Sauvegarder. Bien sûr qu'ils ont refusé, mais ça... va leur montrer quel est mon objectif. La trêve avec la Turquie a terminé. Hop. Alors, toi. Alors, Turquie. J'envoie un ultimatum. Tu vas me donner tout. Tu disparais. Tu es intégré à l'Empire. Sauvegarder. Ou je t'envahis. Alors, ça c'est bien. La Grèce a refusé le pacte de non-agression pour dire à quel point il m'aime. Ça a passé, hein, ça a passé. Je vais lui offrir l'accès militaire chez moi.
Hop, la Chine, pour le moment, ils doivent recruter quelques armées. Population recrutable, voilà, il faut... Ici, on peut recruter 900, c'est très bien. On va pouvoir recruter... Par là, on peut recruter énormément. Ben oui, mais c'est le cœur de notre empire aussi. Et on attendra le prochain tour, et j'en recruterai 900 au même endroit, je pense, à peu près. Hop, ici, la France, ça va, oui, il faut recruter 1000 troupes et 1000 troupes. Plus, ici, recruter des troupes avec un port, donc construire un port, et avoir des troupes pour envahir les deux îles. Voilà. Là, on est en train de se rassembler ici. Il y a 2500 troupes à Paris, on n'a plus besoin réellement de protéger Paris. On se sent protégé là. Hop, ici, toi, tu peux descendre. Ici, oh, on a des troupes en doublon. Donc toi, je vais te déplacer. Je vais te déplacer dans un premier temps. Je vais venir te déplacer là. Hop. Alors, vous, dans l'alliance, vous avez eux. Eux, ils vous aiment bien, normalement. C'est ça, ils nous kiffent. J'ai quand même réamélioré les relations. Et est-ce que maintenant l'Australie accepterait de rejoindre l'alliance? Pas encore. Pas encore, mais c'est notre objectif. Donc, voilà. Si. On a 4000, on a 5000, on a 18000. Donc, la guerre est pour très bientôt. Hop, ici, les Cuba a refusé, bien évidemment. Pacte de non-agression avec vous? Non, mais moi, je veux savoir où vous êtes, en fait. Non. Ici. Bah oui, accepté. Et ces îles, ça doit être... Ah tiens, c'est vrai que le E, j'ai pas regardé. Ils ne m'aiment pas non plus, donc j'ai amélioré avec eux, mais surtout l'Australie. Australie, ça s'améliore. Hein. Hop, si je te propose de rejoindre l'alliance, tu me détestes, c'est ça? Ah non, je suis en guerre, donc t'accepterais pas. Hop, et il y a eux. Ben, j'ai amélioré la relation aussi. Rejoindre l'alliance, mais non, tant que je suis en guerre, vous n'accepterez pas, mais vu que la guerre se terminera très vite. Cette réalisation pourrait très bien se dénouer correctement. Tac. Tac, voilà. Ici, déplacer vers un endroit où il y a un port. Il n'y a pas un port dans le coin? Non, ben on va se mettre. C'est loin ça. On va descendre ici. Non. On va remonter là vers Victoria. Ici, à part essayer d'améliorer. Ils ont refusé les Turcs, très bien. Je vais ramener les Grecs. Ok, confirmé. Hop, l'Afghanistan d'ailleurs, on en est où? Ils ne même ouais, c'est moyen quoi. C'est moyen, mais ça ira. Hop, ici, ce qu'on va faire, c'est toi, objectif. Tu débarques là, très bien. Et toi, tu débarques ici. C'est le réel objectif, ça va être de les faire chier à partir de cet endroit. Tac. Alors ici, vous, on va vous mettre face à la frontière perse, qui ont mangé l'Irak. Ah, l'Irak, a été tenté par une de nos actions. Ça a pas franchement réussi. Tac. 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 Et on va rayonner comme ça. Et ici, recruter 1200. Istanbul, on peut recruter aussi. 1300. Et 800, c'est très bien. Ici, Sébastopol, 1800. La Chine. La Chine, pour le moment, elle ne peut pas se mettre en guerre. Elle doit recruter des armées. Donc, déplacer ici. Non, on va recruter 800 hommes, c'est très bien. Avec l'orage britannique, on va améliorer les relations. On veut que ce soit cordial, on s'en fout. On veut pas l'Inde, donc. Ouais, puis ici, il y a quelques provinces à intégrer.
Et pas de guerre, donc. Les Anglais, c'est pour bientôt. Les plus chiants, c'est des provinces clean, donc tac. États-Unis. Hop, ici on va déplacer vers les côtes, voilà. Oups. Et voilà, nous on va s'arrêter ici pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu. Sinon, laissez un pouce rouge et laissez vos commentaires. Je les lirai et répondrai avec plaisir. Pensez à vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes, mais également les autres séries qui sont sur la chaîne. Sur ce, on se laisse et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.